الصلاة والسلام على خير الأنبياء وإمام المرسلين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلم تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إخواني، قبل ما نبدأ الجمعة إن شاء الله، كثير من الناس اللي عطلة في أولادنا، لأن الأولاد كثيرون جاؤوا الحمد لله، الله يرضى عليكم، حاولوا تقدموا الأمان في أماكن فارغة، حاولوا تستعملوا، الله يجزيكم بخير. إسيي دو بوسير، يا بوكو دو موند، يا نو زونفون، يا دي جون، دي زونفون كي سون فوني أجوردي، يا لي فاكونس، دونك يا بوكو دو موند، يا بلو دو بلاس، يا دي فخار كي سون à l'extérieur. Essayez d'avancer, ne serait-ce que quelques centimètres, ça peut libérer, inch'Allah, de la place pour vos frères. Allah yajazikoum khair. Allah azza wa jalla an yajziyakoum khair al-jaza. Wa kul man wassa'a an akhihi wassa'a Allah azza wa jalla alayhi fi rizqihi wa fi hayatihi innahu sami'un mujib. Fa hawlou tzahmou. Jazakoum Allah khair. بارك الله فيكم وحفظكم الله. فحديثنا اليوم أيها الإخوة، وجه كلامي لكل أخ وكل أخت وكل ولد معنا موجود اليوم، عن الحياة بالإيمان وعن الإيمان بالله عز وجل. Nous profitons de l'occasion de la présence de nos enfants, de nos jeunes, de nos filles, de nos garçons pour parler de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, la croyance en Allah azza wa jalla. Cette foi qui va nous sauver dans la vie d'ici-bas et qui va nous aider dans l'au-delà auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Iman billah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala yunadi fi akthar min 90 aya du Qur'an al-Karim, ya ayyuhalladhina amanu, dans plus de 90 versets dans le Qur'an al-Karim, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle et nous appelle. Et on nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui portez la foi, ô vous qui croyez en Allah Azza wa Jal. Et l'appel, il y a chacun d'entre nous. Wal nida, le kul wahad fina, mawjoud an. Fa kullama sami'ta hadhihi al-aya, wa kullama qara'ta ya ayyuhalladhina amanu, fa'lam annaka awwalan mukhatab, يعني بهذا النداء، وثانيا افرح لأن الله سبحانه وتعالى جعلك من المؤمنين وجعلك من المسلمين. Et donc quand on entend cet appel, ô vous les croyants, يا أيها الذين آمنوا، je vais le dire en arabe. Quand tu entends يا أيها الذين آمنوا، eh bien deux choses, tu dois faire attention à ce qui va venir, parce que c'est soit un ordre, soit fait, soit ne fait pas, soit quelque chose qui va t'enseigner subhanahu wa ta'ala. Et deuxième chose, tu dois être fier parce que tu fais partie de cette catégorie, tu fais partie de ces gens-là, parce que l'appel est fait à toi et à moi. Nida laka wali. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, ya ayyuha alladhina amanu, aminu billahi wa rasulihi. Aminu billahi wa rasulihi. Oh vous qui croyez, croyez en Allah azza wa jalla et en son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wal kitab alladhi nazzal, wal kitab alladhi anzala min qabl. Kitab alladhi nazzala ala rasulihi. Le livre qu'il a descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le kitab alladhi anzala min qabl, wa man yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawm al-akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Et je voulais m'arrêter sur ce verset-là. Et celui qui ne croit pas Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, et au jour dernier, faqad dhalla dhalalan ba'ida, il sera égaré. Et faites attention, nos jeunes, nos enfants, quand on s'éloigne de la foi, quand on vit loin de la foi, quand on délaisse la foi, quand on délaisse la droite d'Allah azza wa jalla, notre vie n'aura plus aucun sens. يعني أن الحياة للإنسان تصبح مبعثرة ولا يبقى له يعني الاتجاه معين يمشي، فالإنسان يمشي كالدابة كما قال سبحانه وتعالى، فقد ضل ضلالا بعيدا. الله سبحانه وتعالى يطلب منك لتحقق الإيمان. الله سبحانه وتعالى في ستابيل توا ميم لي زونفون ميم فو كي ات بلو جون اونكور جون، عزوري تو دي اتونسيون اكروش توا اتاش توا
à ce fil, attache-toi à cette corde et tu ne seras jamais perdu. Il est là. Je vous ai laissé deux choses. Si vous y tenez à ces deux choses, vous serez au rendez-vous avec le prophète. Vous ne serez jamais égaré. إذن الإيمان أيها الإخوة والتشبث بالإيمان والإيمان بالله عز وجل وهذا النداء من الله عز وجل لأن الإيمان هو حياة العبد الطيبة parce que c'est ta vie, c'est la vie, c'est la pour avoir une vie à l'aise, pour avoir une vie saine, لابد من الإيمان لتكون لك حياة طيبة وتعيش راحة وتعيش طمأنينة فلا بد من الإيمان بالله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حاول تفهموا هذه الآية للأولاد. Les jeunes essayent de comprendre ce verset-là. يعني celui qui croit en Allah سبحانه وتعالى, celui qui fait le bien, que tu sois garçon ou fille, Allah Azza wa Jalla va te donner une belle vie. حياة طيبة. فلنحيينه حياة طيبة. يعني أن الحياة بدون إيمان la ma'nabaha, parce que la vie sans foi, eh bien tu auras des perturbations dans ton cheminement vers Allah Azza wa Jalla. وهذا نؤكد نؤكد الأولاد لأن كم من زوج كم من بنت كم من ولد تزوج وابتعد عن الإيمان فوجد أنه يعيش في الجحيم. هذه التجربة أيها الإخوة. C'est une expérience. C'est par l'expérience qu'on a entendu des jeunes, des couples qui se marient. Masha'Allah, ils étaient sur le droit chemin. Soit la fille, elle était sur le droit chemin, Masha'Allah, mais elle a fait un mauvais choix de mari. Ou bien soit le mari, il était, ou le garçon, il était, Masha'Allah, sur la bonne voie. Soit, et puis il s'est marié avec une fille. Après le mari, qui était loin de la religion. Après son mariage, il a dévié. Et quand il voit là, l'éloignement, le résultat de l'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala, du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, là il va voir là, il va voir les conséquences. جاء عندي شاب يعني في ريعان شاب يعني في ثلاثين من عمره وكان سبحان الله وهذه شهادة أيها الأخوة والأخ أعرفه يعني معرفة شخصية كان لا يفارق المسجد وكان في يعني في صلاة الصبح دائما وفي صلاة العشاء والمغرب وكان بعمله كان عنده عمل وكان عنده زوجة وعنده أولاد ف يعني قدر يعني بشد للأسف أنه اغتر بكلام بعض الناس فاشترى منزلا بالربا اشترى واحد منزل بالربا وابتعد عنه فسبحان الله بشهادة من هذا الشاب يقول لي أقسم بالله يا أخي إبراهيم منذ أن يعني تعاملت بالربا أصبح عندي جحيم في البيت قال لي حتى زوجتي لم تعد تصلي معي في البيت لماذا؟ لأننا إذا ابتعدنا عن طريق الله سبحانه وتعالى هذا الكلام ربما يضر بعض الإخوان ولكن لا بد من الحقيقة أيها الإخوة Peut-être que ce que nous sommes en train de dire, ça fait mal au cœur, ça fait mal à quelques frères ou sœurs, mais c'est la réalité, c'est la réalité des choses. On ne peut pas le relier, on est obligé de dire la vérité. Parce que quand on s'éloigne d'Allah Azza wa Jalla, quand on s'éloigne du chemin d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, quand on fait ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a demandé de ne pas faire, eh bien le résultat c'est celui-là. On tombe dans ces problèmes-là. On tombe dans on vit une vie amère, une vie d'amertume. Pourquoi ? Parce que Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim « وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُمْ مَعِيشَةً ضَنْكَ » Et celui qui délaisse la religion, qui délaisse mon rappel, qui délaisse mon chemin, il aura une vie d'amertume, une vie amère. Allah subhanahu wa ta'ala كذلك لما تكلمنا على الربا كنا parler عن فإن لم تدوا فأدنوا بحرب من الله ورسوله. Et si vous ne arrêtez pas de faire ce comportement avec les yeux, eh bien, vous avez déclaré la guerre contre Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. من يستطيع أن يعلن الحرب على الله عز وجل؟ إذا ضاع منك الله عز وجل ماذا؟ أشنو بقى عندك؟ Si tu perds Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui te reste dans cette dignité? Et ça, je le dis à nos enfants, je le dis aux petits, aux petites. Si tu perds Allah Azza wa Jalla, si tu perds ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui te reste dans cette vie d'ici-bas? Et qu'est-ce que tu auras dans la vie de l'au-delà? C'est pourquoi mes enfants, les enfants, les grands aussi, pourquoi on s'attache à cette foi, à la foi par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça nous fait un grand plaisir de vous voir aujourd'hui, venir à nos enfants dans les vacances, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Et ça, je suis bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala est content de vous voir. لأن الله عز وجل يفرح عندما يراك في المسجد. الله سبحانه وتعالى يفرح عندما يراك تأتي مع أمك إلى المسجد. عندما يراك تأتي مع أبيك في المسجد. الله سبحانه وتعالى est tellement content, il est fier de toi, il parle même de toi aux anges parce qu'il te voit venir à la mosquée avec ton père. Je rappelle pour les enfants,
parce que je vois des enfants qui parlent entre eux. Je rappelle que le prophète alayhi salatu wasalam a dit, quand il y a l'imam qui fait le sermon du vendredi, vous n'avez pas le droit de parler entre vous. C'est interdit. C'est interdit pendant le jour. Alors les enfants, ne parlez pas quand l'imam est en train de faire le khutba, parce que vous n'avez pas le droit et vous perdez la valeur de jour. Allah, je vous comprends, dans le dara, fala jour atala. Ça, je le rappelle à nos enfants, à nos frères et à nos sœurs, parce que des fois, je suis en plein sermon et je vois qu'il y a des frères qui parlent entre eux et on voit et on a même des fois qui répondent au téléphone, même pendant le jour. Allah, je vous comprends, hawlu, inshallah, idama tkun khutba, on essaye de l'écouter, on essaye d'apprendre, on essaye de recevoir le message pour pouvoir pratiquer quand on sort de, ce, de cette mosquée et de ce sermon. Et donc, on a l'iman, il y a l'hayat al-tayyiba. Et que tu auras la bonne récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وفوق كل هذا الايمان بالله سبب دخول الجنه ان شاء الله quand on croit Allah عز وجل Allah سبحانه وتعالى te fait rentrer au paradis. Vous savez que le paradis, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on cherche nous tous. C'est pourquoi on est là aujourd'hui, parce qu'on cherche la satisfaction d'Allah سبحانه وتعالى. نحن نبحث عن رضا الله عز وجل وعن رضوان الله عز وجل ونحب الجنه ونريد ان نكون من الجنه ومن يعمل من الصالحات من ذكر وهو مؤمن يعني فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا. Donc celui qui croit en Allah عز وجل, en son prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait le bien, celui qui fait salihat, Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il va nous faire rentrer au paradis. Voilà yud la mouna naqira, et que tout ce que tu auras fait, ibn Allah de Amal Saleh, tu l'auras auprès d'Allah Azza wa Jalla le jour dernier. Enfin, essayez, les enfants, essayez la vie d'ici bas, ce n'est qu'un passage. Bien sûr, on essaye de travailler, on essaye d'être bien à l'école, on essaye d'être bien avec nos parents, on essaye d'être bien à l'extérieur, on essaye d'être un bon musulman, et en même temps, ma relation avec Allah Azza wa Jalla, parce que c'est cette relation-là qui va me protéger, qui va me donner de la force et de l'énergie pour être bon et pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et répondre à l'appel d'Allah Azza wa Jalla. تحقيق الإيمان هو الحياة الحقيقية. Allah Azza wa Jalla يقول أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ. Regardez cette illustration. أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ بَيْنَنَا. Allah Azza wa Jalla dit, n'as-tu pas vu celui qui était mort et nous l'avons fait vivre, avec quoi? بالإيمان. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on s'éloigne d'Allah Azza wa Jalla, عندما نبتعد عن الإيمان وعندما نبتعد عن طريق الله عز وجل كي يولي الإنسان عبارة عن قبر يمشي على الأرض. Quand on s'éloigne d'Allah Azza wa Jalla, on devient comme un cadavre ou une tombe qui marche par terre. Pourquoi? Qui marche sur terre, pardon. Pourquoi? Parce qu'on s'est éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala et on s'est éloigné du chemin d'Allah Azza wa Jalla. والإيمان سبب في هداية العبد وسلوك طريقه المستقيم. الله عز وجل يقول ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. Et quand on croit Allah Azza wa Jalla, quand on s'attache à cette corde, on s'attache à la corde de la foi بالله عز وجل الإيمان, Allah subhanahu wa ta'ala va nous guider au droit chemin. Allah Azza wa Jalla yahdi qalba, et que tu deviens quelqu'un qui voit par la lumière d'Allah Azza wa Jalla. Tu deviens quelqu'un qui ne voit qu'aux endroits qu'Allah Azza wa Jalla aime. Tu deviens quelqu'un qui n'écoute et qui n'entend que ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et tu deviens une personne qui ne dit que ce que Allah Azza wa Jalla aime. فيعني ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وعينه التي يرى بها وأذنه التي يسمع بها ولئن استعاذني لأعيذنه ولئن سألني لأعطينه. هكذا يصبح الإنسان. C'est comme ça. C'est ainsi qu'on devient, quand on est proche d'Allah سبحانه وتعالى. والله النبي عليه الصلاة والسلام هنا يعني أختم بهذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. Écoutez bien, nos enfants, les jeunes, et même les grands aussi. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. شوفوا الحلاوة تاع الإيمان، الروعة تاع الإيمان، حلاوة الإسلام، الرحمة تاع الإسلام، الروعة تاع الإسلام، لا بوتي دو سيت روليجيون مسلمان، لا بوتي دو لا فوا، لا فالور دو الإسلام، لا فالور دو لا فوا، إي سا يفو ترونسميتر لي زونفون. Nous enfants, il faut transmettre ça. Regardez cette parole du prophète, alayhi salatu wasalam, dit, celui qui croit en Allah Azza wa Jal et au jour dernier, eh bien qu'il ne fasse pas mal à son voisin. Le Nabi, alayhi salatu wasalam, lui aussi, le musulman, bil jar, ma'na anna l'islam
ليس فقط هي العبادة العلاقة بينك وبين الله عز وجل، ولكن الإسلام علاقتك بالله عز وجل وعلاقتك بالناس، يعني أنك علاقتك بالله عز وجل جيدة وعلاقتك بالناس جيدة. De l'islam, cette valeur de l'islam, ce n'est pas seulement faire la prière, faire le pèlerinage, faire l'aumône, ou bien faire la zakat, faire le ramadan, et après ça y est, je suis libre. Non, c'est que tu fasses, ces adorations, et en même temps, ta relation horizontale avec la société, avec les gens, avec les voisins, avec tout le monde, avec, il faut qu'elle soit bonne. Et tu vois, ta relation avec tes parents, ta relation avec tes frères et sœurs, ta relation avec les musulmans, ta relation avec les non-musulmans, il faut que tu sois une lumière pour ces gens-là, pour leur dire, regardez, je suis musulman, regardez ce que l'islam a fait de moi. L'islam a fait de moi une personne respectée, une personne qui respecte, une personne qui a la valeur, une personne qui a de la فور دون لا سوسيتي. هذا هو الاسلام. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. qu'il ne fasse pas du mal à son voisin, فلا يؤذي جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. سبحان الله، حتى اكرام الضيف جعل النبي عليه الصلاه والسلام عنده علاقه بالايمان. C'est-à-dire que tu sois généreux envers ton invité, envers les invités. Quand tu reçois des invités, le fait d'être généreux, le fait d'avoir un bon comportement avec tes invités, ça fait partie de la foi. Hadith min al-iman, celui qui croit en Allah Azza wa Jal et celui qui croit au jour dernier, eh bien qu'il soit bien avec ses invités. Falyukrim daifa wal-thalitha wa man kana yu'minu billahi wal-yawm al-akhir falyakun khayran aw liyasmut. Et ça, on en a vraiment besoin. Nos enfants, nous avons besoin de la wasiyya de Nabi alayhi salatu wa sallam. Nabi alayhi salatu wa sallam, le kalam, le khayr, a l'aqa'a de l'iman de Allah. Et celui qui croit en Allah Azza wa Jal et qui croit au jour dernier, eh bien, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. D'accord ? Soit tu dis de belles paroles, soit tu dis de bonnes choses, soit tu t'abstiens et tu ne parles pas. إما أن تقول خيرا وإما أن تصمت. عفوا ليش أيها الإخوة؟ لأن الكلمة إذا خرجت من الفم فلا ترجع. Quand la parole sort de la bouche, elle reviendra jamais. Quand tu dis quelque chose, c'est impossible de se rattraper. Quand tu verses une personne avec ta parole, c'est très difficile de corriger après. Et c'est pourquoi le prophète عليه الصلاة والسلام nous a donné ce conseil. Ne parle pas. Si tu veux dire du bien, parle. Sinon, ne parle pas. في يوم من الأيام كان النبي عليه الصلاة والسلام وكان معه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فكان المشركون يسبون النبي عليه الصلاة والسلام، يقولوا كلام قبيح، والنبي عليه الصلاة والسلام ساكت لا يتكلم ويبتسم، وأبو بكر لم يقل شيئا. وفي وقت يعني لما كثروا الكلام تكلم أبو بكر ورد عليه، فأحمر وجه النبي عليه الصلاة والسلام وذهب، غضب صلى الله عليه وسلم ورجع. فذهب إلى أبو بكر قال يا رسول الله كانوا يشتمون ويسبون ونحن لا نقول شيئا وعندما تكلمت أنا أحمر وجهي. قال يا أبا بكر عندما كانوا يسبون ويشتمون ونحن لا نقول شيئا كانت الملائكة تدافع عنا، وعندما تكلمت أنت ورددت علي ذهبت الملائكة وحضر الشيطان. هذا هو الإسلام. هذا يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام. C'est comme ça qu'il nous apprend le prophète alayhi salatu wasalam. Il est avec Abu Bakr et des gens qui sont en train d'insulter le prophète alayhi salatu wasalam. Le prophète alayhi salatu wasalam, il les voit, il les laisse insulter et Abu Bakr est là sans rien dire. Le prophète alayhi salatu wasalam fait des sourires et il sourit alayhi salatu wasalam. Mais à un moment, Abu Bakr a répondu à ces gens-là. Et quand il a répondu, le prophète alayhi salatu wasalam n'a pas aimé, n'a pas apprécié, donc son visage est tout rouge alayhi salatu wasalam et puis il est parti. Et quand Abu Bakr lui a posé la question, « Rasulallah, il nous insultait, qu'il disait rien, on disait rien, mais quand j'ai répondu, tu es parti. » Il nous dit, « Abu Bakr, quand ils étaient en train de nous insulter, il y avait des anges qui nous défendaient. Mais quand tu as parlé, tu les as répondu, les anges sont partis et le shaitan est venu. » Combien de fois ça vous arrive quand quelqu'un t'insulte, quand quelqu'un te dit des choses qui te vexent, et que toi tu patientes, et que toi tu dis rien, tu ressens l'alhamdoulilah que tu es fort, mais quand tu parles, c'est là où il y a le problème. Et surtout dans le couple. خاصه بين الزوج والزوجه كتقف بعض الاحيان ان الزوجه تسكت تكلم وترفع الصوت والزوج مسكين ساكت 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 لكن اذا تكلم خلاص
يرفع الصوت ديالو، فهي ترفع صوتها وهو يرفع صوته، هي ترفع صوتها، وكل يريد ان يكون هو الفائز، وكل يريد هو الذي على حق. Je disais que ça arrive des fois dans le couple quand le mari parle et que la femme ne dit rien, ou bien quand la femme est en train de crier et que l'homme ne dit rien, quand il y a les deux qui parlent en même temps et que chacun dit ce qu'il a envie de dire, c'est là où il y a le problème, c'est là où Shaitan arrive. Celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Les enfants, avec vos parents, ne répondez jamais mal à vos parents. Vous avez raison, je profite de cette occasion aujourd'hui parce qu'il y a des enfants qui répondent à leurs parents par des expressions terribles. Wallah, des expressions, t'as envie de partir de cette vie. T'as envie de t'aurais aimé de ne pas être en vie pour entendre ces paroles-là. Elle n'est pas de la qui joue l'adal des roues, mais par des kalimat, subhanallah, répondent par des expressions terribles. C'est comme s'il est en train de parler à une personne, à un ami à l'école, à un ami au collège. C'est son père, c'est ta mère, ce sont eux qui t'ont, grâce à Allah, ils t'ont mis au monde. Rappelle-toi, je vous dis à chaque fois les enfants, rappelez-vous quand vous étiez petits, et même à votre âge maintenant, comment te permets-tu de répondre à ton père par une parole qui va le vexer? Comment te permets-tu de répondre à ta maman par une parole qui la vexe? كلمة أمك واحد كلام اللي غادي يجرحها كم من أم تبكي وكم من أب يبكي من سوء المعاملة تاع الابن كم بيان دو بير كم بيان دو مير كي بلور أ كوز دو كومبورتمون دو سي زونفون لا أو دو لوغ زونفون باغ فان أولاد رابليفو دو سو حديث لا سي أون نو سور كو أفيك سو كونساي لا سي فو كرويي فريمون الله عز وجل أو جور ديرني سي فو أفي أونفي دو دير كيلكو شوز réfléchissez avant de prononcer. Si c'est du bien, je le dis. Si c'est mal, je m'arrête. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous laisse jamais à oulâtna innahu samia'un mujib.